c'est Steven Ricard. Je viens de Tarbes, Lourdes. Donc j'ai passé 2 saisons là-bas. Avant, j'étais à Rueil en N1 toujours. Voilà, et j'ai été formé à Charenton en National 2. Voilà, donc je suis content d'arriver au Gate Vosges. Qu'est-ce que tu comptes apporter ? Le maximum. Hein, là, le coach m'a pris pour être sur le poste 2 et aussi sur le poste 3. Donc voilà, je suis content de commencer sur un nouveau projet. Donc voilà, impatient, ça commence. Quelles sont tes qualités ? Mes qualités ? J'aime bien shooter. Voilà, après, je vais donner le maximum. Hein, je vais apporter ce que je peux, le maximum au club. Voilà. Sur quel domaine tu as besoin de progresser ? Sur quel domaine ? Physiquement, un peu peut-être. Faut que, voilà, dans la dureté. Je fais beaucoup d'efforts aussi sur la défense. Voilà. Et puis après, je pense que ça viendra tout seul, après, avec le groupe et tout, donc voilà. Comment tu situes le niveau de la Nationale 1 ? Ça fait 3 ans que j'y suis déjà, et je trouve que chaque année, ça augmente chaque année, en fait. Donc là, il y a beaucoup d'équipes qui se renforcent avec beaucoup d'Américains. Le fait d'avoir rajouté un étranger l'année dernière, ça a rendu encore la N1 beaucoup plus forte. Et là, je trouve que la N1 se rapproche de plus en plus de la Pro B, quoi. Donc ça va être très très dense. Voilà. L'intégration, l'ambiance du groupe, ça se passe bien ? Ouais, super. Franchement, on a un bon groupe, on a un groupe assez jeune. Donc pour l'instant, ça se passe super bien. Ouais. Voilà. Bonjour, moi c'est Alexandre Hercotte. J'arrive du Saint-Vallier Basket Drôme en National 1. J'ai été formé à l'ASVEL. J'ai fait un petit passage en N2, puis en N1. J'ai passé 2 ans aux États-Unis, 2 ans à Chartres en National 1. Et voilà, Saint-Vallier l'an dernier, j'arrive au Jet. Comment se passe l'intégration ? Très bien, très bien. On a un bon petit groupe. On a commencé crescendo sur la première semaine. Là, ça commence à rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc ça va. Qu'est-ce que vous travaillez là ? Là, on sort de musculation. Donc voilà, c'est surtout une grosse partie physique. On commence le basket et l'opposition arrivera très rapidement. Qu'est-ce que tu comptes apporter au Jet ? Eh ben, j'espère mon expérience. J'ai quand même quelques années de National 1, donc du coup, essayer d'apporter un peu mon expérience, mon impact physique et puis pourquoi pas quelques tirs plus. Arnaud, on te connaît déjà plus ou moins. En tout cas, tu avais fait un match amical contre le Jet Vosges. Rappelle-nous un petit peu ton parcours. Alors, moi, j'ai fait ma formation à l'ASI, à Strasbourg, tout le centre de formation, cadet, espoir. Et l'année dernière, j'étais à Sauffel-Versailles en Pro B. Et voilà. Tu es en quête de revanche, comment tu vois ton arrivée au Jet Vosges là ? Oui, revanche forcément un peu, vu que la saison dernière a plutôt été décevante pour moi, tant collectivement qu'individuellement. Mais voilà, c'est un défi qui m'intéresse, un projet qui me parle, donc j'ai hâte. Qu'est-ce que tu connais du Jet ? Est-ce que tu as suivi un petit peu le parcours en N1 la saison passée ? Oui, j'ai suivi un peu, après pas tous les week-ends, mais j'ai vu qu'ils ont très bien commencé la saison, contrairement à ce que certains pouvaient peut-être attendre. Et voilà, ils ont su se mettre à l'abri rapidement et après ils ont passé une belle saison, je crois. Bon, tu seras en balance avec Benjamin John à la main, c'est ça ? La concurrence stimule, qu'est-ce qu'on se dit ? Oui, on est de la même génération, on s'entend bien, donc on va se tirer la bourre à l'entraînement pour se tirer tous les deux vers le haut. Est-ce que vous connaissiez déjà des joueurs là dans l'effectif ? Moi je les connaissais pour en avoir joué certains, j'ai joué avec personne par contre, mais voilà, on connaît de nom, on s'est déjà croisé plusieurs fois. Toi Arnaud ? Moi plutôt les jeunes, David Dakar avec qui j'étais longtemps au centre de formation à Strasbourg forcément, Benjamin un petit peu aussi, le fait d'avoir joué souvent contre lui vu qu'on est de la même génération, et Nemanja et Loïc contre qui j'avais joué il y a 2 ans. Contre le Jet. Comment tu juges le niveau de la N1 là, Arnaud ? Je sais pas du tout, ça fait une semaine qu'on s'entraîne, je pourrais vous dire ça après quelques journées de championnat. Non, mais par rapport à ce que tu as pu voir sur quelques matchs de N1 ? J'ai pas vraiment pu voir de matchs de N1 en fait, parce que c'était tout le temps en même temps que nos matchs, donc des vrais matchs de N1 j'en ai pas vraiment vu, donc je peux pas avouer. Et toi ?
Bah, moi, le niveau de N1, j'ai fait principalement de la N1, donc je peux pas comparer avec de la Pro B ou plus haut, mais c'est un niveau qui est quand même très physique et il y a une densité voilà, sur le championnat qui est assez importante. Et c'est un championnat assez dur, parce qu'il est long et très homogène, donc du coup, la visibilité dans ce championnat est très difficile. Bonjour, moi c'est Bernard Mpoy. J'ai passé mes deux dernières années à Saint-Léonard, mais j'ai fait essentiellement ma formation sur Rennes. Et c'est ma première année ici et c'est la découverte totale. Qu'est-ce que tu comptes apporter au club, toi ? Bah, mon expérience, parce que j'ai passé pas mal d'années en N2. Enfin, je suis un peu l'un des plus vieux de l'équipe et ma volonté de progresser, ma niaque. Voilà ce que je compte apporter à l'équipe. Comment tu as trouvé l'effectif du Jet Vosges là pour l'instant ? Bah pour l'instant c'est la découverte totale, c'est la première semaine, on n'a pas vraiment joué au basket. Mais en tout cas pour l'instant par rapport à la première semaine que j'ai vécue avec le groupe, bah, c'est un groupe plutôt intéressant, avec des bonnes personnes, on s'amuse bien, on rigole même si on se connaît que depuis très peu. Donc pour l'instant ça se passe très bien. Présentation. Alors bonjour, moi c'est Steve Barbal, je viens du Lorient. De SCP Lorient Basket, pardon. Et j'ai été formé à Chalon-sur-Saône, durant laquelle j'ai passé deux saisons. Après, j'ai évolué principalement en National 2. Et j'ai eu une expérience également en National 1 au Puy-en-Velay. Et donc, du coup, là, je retrouve la N1, donc envie de retrouver ce championnat, envie de mesurer à de grosses écuries et d'apporter également mon expérience. Comment tu juges, toi, ce niveau de N1 ? Un très bon niveau qui est assez dense. Physiquement, ça court pas mal et il y a une belle structure de jeu, contrairement à la N2. Donc pour moi, c'est un très bon niveau. Qu'est-ce que tu peux apporter ? Mon expérience, ma mobilité et mon envie d'en découdre. Sur quoi vous avez besoin de bosser encore, les gars, pour être encore plus performant ? Bah, vas-y. Bah, tu fais moi, quoi, tu... Les deux. Bah, collectivement, pour l'instant, on n'a pas touché le ballon. On a commencé un petit peu à avoir des phases de jeu. Et donc, pour l'instant, je ne peux pas dire grand-chose. Mais après, il y aura pas mal de trucs à mettre en place puisqu'il y a pas mal de nouveaux joueurs. On est six nouvelles arrivées. Donc, il va falloir qu'on apprenne à se connaître et créer des automatismes entre nous. Et après, à titre personnel, moi, je vais plutôt axer ma progression sur le shoot, être un peu plus efficace dans tout ce qui est shoot extérieur, que ce soit à 2 comme à 3 points. Pour l'instant, vous faites que de la musculation, voilà. de la remise en forme, un petit peu, des footings, etc. C'est ça. Et la reprise du ballon, les oppositions, c'est prévu pour quand ? Pour cette semaine, en principe. Pour cette semaine, mais après, pour l'instant, on n'a pas vraiment de programme prédéfini. Donc, on voit les choses au fur et à mesure. Il y aura un match amical qui arrivera fin août, c'est ça, contre Mulhouse, hein. C'est ça. C'est bien ça. Le 26, il faudra prêter pour ce petit derby, même si ce n'est qu'un match de préparation. Ce sera un bon test. Bon, on vous souhaite une très bonne saison avec le Jet Vosges et bienvenue à vous alors. Merci.